Bonjour mes confrères, c'est Zef et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XII. Bon visionnage! Bien. Donc on est de retour ici. Et donc cette fois on fera pas l'erreur. On fera pas l'erreur avec le portail du scorpion. Ça nous avait bien pris la tête. Et là on est mort, hein. Comme des petites merdes. C'est l'endroit. Voilà. Faut que je fasse parce que avec eux, ils sont un one shot un mec. Et c'est assez chiant. Dommage qu'on a pas voir le nom de la porte, ça peut donner des indications sur par où tu vas, sur qu'elle est ouverte. Yes. Oh. On va laisser en vie du coup. Regarde comme il est beau. C'est par là qu'on va. Yes. Ça fait super mal en fait. C'est bien haut. Là, les deux ils sont ensemble. Voilà, donc là on est, je pense, au portail du scorpion. Voilà. Donc, et là l'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on était allé ouvrir cette merde à la place de simplement prendre le portail 8 pour se casser cet endroit abominable. Voilà. Voilà, là, on se retrouve. On va pouvoir se casser. Par contre, je me rappelle pas. Où est le cristal rouge pour la téléportation? Ici il est pas, je crois. Non, ici il est. Pourquoi je dois attaquer tranquillement pour laisser. Bon, après c'est. Voilà. Là on a la porte, voilà. Mais celui-là on arrive à côté d'un autre cristal miné bleu, donc on va continuer à aller en arrière. Parce que là il va que tu te battre. Monsieur, tu dois.
42, donc il manque encore 3 niveaux pour qu'on passe le flambeau à 20. Voilà, on va prendre le coffre. Super éther. Ah non, c'est pas moi, c'est... Ouais, ça me suit. Qui n'est plus nécrose, hein. C'est mieux. Ah, il faut que je regarde vers où je dois monter. D'accord. Ok, je vais aller tout droit et je vais faire rester là. Ah, lui il se casse. Lui il vient, il nous a mis un truc comme ça, il s'en va tranquillement. Alors il s'est dit, ils sont en train de se faire, il est en train de se faire défoncer. Et je vais. Là on va se prendre des coups. Ah non, il y a une fille ici. Ah, ça y est. Ça y est, c'est tout. Ouais. Et mais c'est mon pote qui a encore fait la règle. Combien d'XP pour passer au prochain niveau? Non, mais parce que ça m'intéresse. Il faut quoi? 34 000. D'accord. 96 000. 26 000. Il faut tout pas moins. T'es pas moins du tout. Donc, en sachant que lui, il prend pas le double, hein, donc elle, elle prend le double et lui prend le double aussi. À part si j'ai déséquipé les trucs pèlerines. Non, c'est bon. C'est bon. Encore là. Oh là là. Il y a vraiment du problème sur le chemin. Ah bon, on arrive à aller jusqu'à Vélas. De bébé aussi, je pouvais tranquille utiliser. Genre un match de bébé, hein, si tu regardes là, 700, 600, 700, 800, 92, 240. Donc il y en a où. Cuir tanné, super bien. Vous tapez et... Ah yes. Merci à toi.
Bah voilà, bah en fait, je suis con parce que j'aurais tout de suite vu. Ah bah il est là. Voilà. Bah il est quand même moins. Je veux dire. C'est quand même. Je vais aller lui retirer les gambits du bouclier. Je vais retirer celui-là. Parce que. Elle a plus assez d'MP. Et il y a beaucoup plus de monstres par rapport au nombre de. Il faut qu'elle puisse faire des soins 4. Non, ça va quand même assez vite le level. Tu prends 2000 par monstre. Oh non, pas du tout. Moyenne 800 par monstre, étant donné que c'est une super pèlerine. Il faudrait une super pèlerine. Ça te donne 4 fois plus de XP. Ça serait le feu en fait. Fleur de Norbal. Je vais toujours dans la bonne direction. C'est bien quand ils ont tempère comme ça. De 33 000, donc tu divises ça environ par deux, on va dire. Donc 34 000, il faut battre encore 17 monstres pour qu'ils passent le level up. Enfin, qu'ils passent de niveau. Donc c'est plutôt. DMP, ça c'est bien. Elle est montée à 130. C'est excellent. Ah, un esprit de kebab. J'ai un peu peur de l'attaquer quand même. On a fait énormément de dégâts. Franchement, j'adore.
here goes. Ah super, elle peut enchaîner par un rayonnement directement. On est sur du 4. Enfin sur du 4 mist. Yes! On a eu un infusiste. Ça remplit une barre, ça les mélange. Et ensuite, tu peux alors, avec de la chance, lui dire t'es ça. Please. Ah non, ça. C'est un ami de chez Penelo. Excellent. No holding back. Là, j'ai eu du bol parce que j'ai juste spammé lui. C'est là qu'on va lui faire 17 dommages, tu sais. We can win this. Je sais pas jusqu'où je peux aller. Parce que le temps il est de plus en plus court. Ah. You're going to love this. Ah mais non. Oh yeah. Ha. C'est vrai, juste, à mon avis, à un moment donné, ça s'arrête juste. Parce que le temps, il a... Here goes. Et pour l'instant, on est sur un combo de 9. On est sur un combo de 9. Ah, ça y est. Mais j'avais pas une seconde, hein. J'avais pas une seconde. Par contre, j'en ai fait 10. J'en ai quand même fait 10. C'est insane. Fusion et naissance. Ah. Je lui ai fait 16 000 dégâts seulement. Oh là 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 là. J'ai un élixir par hasard quelque part. J'en ai utilisé, donc si j'en ai un, ça va être tout en bas. Non, j'en ai pas. On va utiliser un super éther. Sur PD. Allez, il est en cours cette ligne, on peut le battre. D'accord, la meuf, elle fait. Aïe. 4000, j'ai reçu 4000 points d'XP. Incroyable. En tout cas, le coup des mises, c'était excellent. Parce qu'on a fait petit coup et ensuite on a une fusion énorme. On est malade. C'est trop bien. Ah cool, j'ai récupéré le super éther que j'ai utilisé. Trop bien. On a fait vraiment... Ça, c'était vraiment un combat intéressant. Vraiment un bon combat, c'était bien. C'était la base... C'était 4 000 pour Penelo et pour notre ami Baltier. Franchement... Et voilà, le portail, on va le toucher. Et on va tranquillement pouvoir retourner à Buffenheim.
faire la petite sauvegarde. The Balfenheim. The Balfenheim, the Balfenheim. Ah, c'est toi le vendeur. On va juste passer du côté là pour les... Alors déjà, on va vendre... Ah non. Déjà, j'espère juste qu'on n'aura pas besoin de le réécouter. Il faut que je mette... Voilà, ok. Donc ça c'est rangé et maintenant... Oh là 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 là. Mais non, mais c'est bon, je sais pourquoi. D'abord on va regarder ce qu'on peut acheter. On peut acheter des pierres de téléportation. Est-ce qu'il y a... Ah, quoi que. Ah bah non, ouais, bon. D'accord. Donc, c'est, on est bien sur un mec qui ne sert à rien. Hop. Feuille blanche, rang social à 8 ans. Ça. Mais là, on a alors le taux de l'histoire. J'en ai deux. Voilà, c'est exactement, tu vois, c'est exactement ça que je voulais voir. C'est, on a fait quand même énormément de combats. Et je veux vraiment remonter au niveau d'argent parce que c'est tellement, tellement horrible de ne pas avoir de sous. Ah, mais ouais, mais non. Ah, oui, mais non. Attends. Mais là, là, on s'est. Là, on s'est tellement mis bien. C'est tellement bien les gens, c'est énorme. Regardez ça. Les gemmes, on les garde. Ouais, on va les garder. On est à 340. Par contre ça. Les queues de phénix. C'est quoi? Il y a plusieurs antidotes qui ont l'air déco. Et je sais pas si on a trop de voyous, c'est ça. Mais voilà. On... Là c'est des trucs. Enfin, peut-être je suis chiant, mais on va un peu sauvegarder quand même. Voilà. Voilà, par contre, on peut y aller en vitesse. Hein. Alors, on va peut-être quand même passer dans les différents shops. Si jamais il y a peut-être des trucs que j'avais pas acheté, bah voilà, vide. Parce qu'on n'avait pas l'argent.
Gambit. Le Gambit, on les a certainement pas tous achetés non plus. Pour le mage noir. Ça par contre, alors ça c'est le genre de gambit que voilà quoi. Ennemi si le personnage a suscité. Ennemi si le personnage a réagi. Ennemi si le personnage. Ah c'est peut-être aussi c'est pour le mage après c'est juste pour les avoir tous. Si j'en avais acheté plein. Mais voilà, mais là j'ai acheté tout ce que je pouvais chez toi. Toi c'est des objets donc ça va pas m'intéresser. Là-bas il n'y a rien d'intéressant. On va aller voir au niveau des techniques. C'est tout droit. On va aller voir là-bas au niveau des techniques. Franchement au niveau des armes, on a vu celui de devant la porte, c'était pas top. Mais après eux ils ont peut-être une mise à jour par rapport on va dire par rapport au moment du jeu, parce que vu qu'on est obligé de revenir ici. Non, ici on a tout. Ok, ici on a toutes les techniques. On va aller voir quand même la vente d'armes, histoire de. Enfin, la vente d'armes. Oui, c'est le magasin de armes. On va aller voir ça. Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais, il y a une mise à jour qui est faite au niveau des armes, c'est bien, je vais aller voir ici aussi du coup, parce que du coup on va devoir utiliser nos permis à bon escient, parce que là on a, ok alors hop, permis, allez. Pas trop lesquels, quel permis on a besoin, on va juste essayer. Si on a vraiment beaucoup de points, on va essayer de prendre tout ce qui concerne celui. Je suis en maître d'ast avec lui actuellement, c'est l'arme que j'utilise. Donc on va apprendre. Par contre 240 c'est un peu énorme, mais je pense que la lance du jeu ça doit être un truc que tu trouves et pas que t'achètes. On va laisser comme ça. Niveau d'image rouge, ça c'est. Ça c'était des trucs d'image noire. Notre ami Balsier, alors, attends, 180 ça aussi, permis de machin, ça doit être une arme spécifique, alors on va quand même aller, on va te donner ça, ça m'énerve que tu l'as pas, que tu l'aies pas, sabre de ninja, celui-là,
Là, il y a quoi? 10 secondes. Sinon, au niveau des larmes, tu peux pas toi. Là aussi, c'est un truc spécial, 220. Il y a, mis à part les gros trucs, il n'y a rien en fait. Ah bah si là. Ah mais non, mais ça ouais, ça c'est les gags. Je voulais vraiment la prendre à la base. Voilà. Ah oui, après c'est vrai, j'aurais pu aller voir avec le machiniste. Alors, toi, archer. Parce que moi j'aime bien l'archer, mais c'est vrai que je suis plus habillé en archer. Je crois. Attends, parce que ça c'est aussi nouveau. Une arme spéciale. Là on est sur des lignes de gambitins jusqu'à l'infini. Un ruban, je n'ai pas encore trouvé un, donc on va attendre un peu. Sagittaire permet 2, d'accord. Donc le remède réduit le magie de la vie. Ah là, c'est juste. Comme ça, et je crois que c'est bon, mis à part. Ah non, nice. Voilà, on a peut-être pas, mais on va continuer sur le coup de PV. Et au niveau du moine, et ça là, c'est quoi ça? On remonte les PV maximum. On va te donner celui-là. Hop. Voilà. Donc toi, on n'a pas pu te donner beaucoup de choses intéressantes, hein, au final. Chevalier. Cela, on est sur des épées et sur des épées en our. Donc ça, c'est ce qu'on veut au final. Te donner un max de permis d'équipement. On a pu faire avec les autres, en fait. Hein. À la base, on a pu faire ça avec les autres, mais pas. Enfin, on a pu faire ça avec certains. C'est parce que moi, actuellement, je suis pas du tout en épée, je suis en hache. Donc, je vais apprendre les permis hache aussi. J'imagine qu'il y a une hache trop bien. Les équipements Genji. Ah, d'accord. Donc là, c'est vraiment juste un truc et t'as tous les équipements. C'est quoi ça? Lance-bombe. Plénitude. Permet bouclier sans moi. Je peux pas la prendre. Ah, je vais apprendre ça histoire de déverrouiller des trucs sur le côté. Voilà. Y a rien qui coûte. Ah, si, là, c'est un peu. Allez, juste histoire de la voir. Ok, par contre, ouais, toi, c'est spécial parce qu'on avait déjà utilisé beaucoup de points la dernière fois. Donc. Tu sais quoi? Je vais prendre le risque et je vais te donner ça. Et ensuite. Ça, donc ça t'as 0. Voilà. Encore énormément de points qu'il faut distribuer. Enfin, qu'il faut recevoir. C'est quand même assez insane. J'aurais vraiment dû faire gaffe.
je pensais avoir suffisamment de points pour apprendre beaucoup plus que ça. Ok, donc là, je crois que j'ai utilisé les points pour tout le monde. Voilà, ça c'est bien. Ok. Maintenant, on a le max au niveau équipement, tout ça. Alors, toi, t'as une arme qui te fait plus 11. Attends, une hache, on a plus 29. Masse d'armes. Ah, mais ça, je l'ai. Ok, donc on va sur la hache. Et on procède à l'équipement. Voilà. Ensuite. Là, on a une lance sacrée. Pour lui, en plus 6. Et rien d'autre qu'on peut équiper. Donc, on a une lance sacrée. Et... Ensuite, l'arc. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu as actuellement. Donc là, on a un arc plus 7. Ah, mais t'es en arc. Trop bien. Arc plus 7. Oui, c'est parce qu'elle est pas dans mon équipe, alors je peux pas l'équiper, c'est chiant. Balsier. Là, on a dans platine. Plus 9. On a plus 7. D'accord, et pour Penelo et elle, on n'a rien. On n'a rien qu'on peut acheter pour elle. Okay. On va aller au niveau des équipements. Alors, ici. Donc là, on en aurait un. Aucun équipement de mage. Plus 6, plus 9 pour les deux dernières. Et ça, c'est la robe. Plus 9, plus 13. D'accord. Donc, on va acheter les deux. Voilà, vous en achetez deux. Voilà. Ah ben non, on continue. Alors, ici, on a la plus 3, plus 6 pour Balsier et Fran. Et ça, c'est un bouclier. On a un chapeau. Là, on a l'armure de platine 24-14, et là on a un chapeau plus 12 pour lui. Là, on a l'auberge plus 29 plus 18. Et là, on est d'accord. Donc, le auberge c'est mieux. Hop. Ça, les deux là. Donc, on en achète deux. Et là, on en achète deux aussi. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va activer, aller sur équipement, optimiser, et là, on a d'or, d'accord. Du dragon. Ok. L'auberge. L'épée du pacte. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est tout simple. On va retourner chez elle. Et on va voir s'il y a quelque chose. Donc là, c'est équipé. Là, c'est équipé. Là, ceux qui peuvent m'équiper, c'est moins bien. Ah, le casque de géant pour
pour lui, ça augmente. Donc on va... Attends. On va voir s'il n'y a pas un autre casque. La home de platine, c'est plus 9 en défense magique. C'était mieux. Hein. Casque de gemme, c'était plus 12. Voilà. Et le pavois. Ah mais à moins 10 en parade magique. Et franchement, j'ai pas perdu 10 pour recevoir 2. Ok, donc là on est bon. On est bon. Ce qu'on va faire, c'est un petit rangement maintenant. Le petit rangement il est fait. Alors c'est vrai que je pourrais vendre tout l'équipement que j'utilise plus, mais je les garde pour l'instant. Je sais pas si ça va me servir un jour. Mais je préfère les garder, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, hop, on va continuer vers notre quête, hein, parce qu'à la base on est venu pour ça. Ah oui, c'est là. Ah, vous êtes là, Redas vous attend. Il faut que je le voie. Si, je vais le voir. Yes. Ships in the water. Send fishing dories if need be, I care not. Glossair engines are as good to us as sky to a fish. Leave what boats have foundered. I want souls saved, not driftwood. Our armada ran afoul of bad water near the Ridorana Cataract. All engines stopped a sudden. Becalmed. Trouble with a mist thick as death, it seems. Those seas are yacht. I expected airship trouble, not a fleet foundering midst the waves. Tell me of what happened in Girovegon. From the lay of your eyes, I measure all did not go well. Cid. Was he false, as I feared? Yes. But we may have caught a glimpse of his true intent. We may now know what it is that Cid searches for. Excellent. C'est vrai. So the day-affected Nithocyte was only a fragment? And these Ocuria I know not and care to know even less. If we strike this Suncrist with the Sword of Kings, no new stone may be born. We say the Suncrist is the source of all Nithocyte's power. If we might break it, the Dusk Shard would be as a thing lifeless. As for the manufactured Nithocyte, who can say? There is another way. We use the Treaty Blade to cut a new stone from the Crist. Use that to fight the Dusk Shard and the manufactured stones. Would you like to know the best use of Nithocyte? Will or nil, I'll tell you. You pick it up and throw it away. Sir. Either way, we have to find the Sun Crist first, right? Don't we? Across the sea, and a tower on a distant shore. Redis? Familiar words, Vaughn. I saw something of the sort written in some documents I chanced upon during my visit to Draklor. The Naldoan Sea, the Ridorana Cataract, and the Pharos Lighthouse. I sent my fleet to fish out the truth behind these words, and caught trouble. Then proof is ours. This lighthouse on the Naldoan Sea is the tower on the distant shore. The strong mist that becalmed your ships is a grimmer yet clearer sign than any we might hope for. The Suncrist is there. All well and good, but how do we get there? Those seas are in Yacht, as I recall. Try putting this one in your ship. Tis a Skystone made to resist Yacht. More spoils from the Draklor labs, is it? Why not use it yourself? That's just the thing. My ship's a Bajurban model, it will not work. But, should it fit the Strahl, she'll fly in Yacht. Lady Ash, I would accompany your highness, if you do not object. I am in your care. But tell me one thing. Why do so much for us? The Nabudis Deadlands.
Nabudis was your home? Nay, but a memory forever burned in my heart. Excellent. Moi, j'aime bien avoir des personnages invités. J'adore ça. On s'est vraiment mis bien grâce hein, à cette vente. Genre, il n'y a pas à quel point on a pu vraiment. Ah, par contre, il y a un truc que je vais changer. Alors, est-ce que toi tu peux utiliser vidéo? Non, tu ne peux pas. Et toi tu peux utiliser vidéo. Non, parce que tous les HP, ça va. Mais tellement me changer la vie. Partir, on va sauvegarder bien évidemment. Si t'as envie d'aller à un endroit précis ou quoi, c'est trop bien. Merci. Yeah. Excellent.
Ah, c'était c'était... A tower on distant shore. And about its peak, a piercing mist. Et ben on va monter jusque tout en haut. And in that mist, the Suncrest waits. My lady, your words still sound of doubt. Pray you reach your answer ere we the Suncrest. And? Should I choose revenge, what then? Then your woe shall be your own. Vaan, a word. If something untoward should happen to me, you're taking the Strahl. Untoward? What's this about? I am the leading man. Might need to do something heroic. Don't worry, I'll show you how to fly her. Donc là, c'est pour repartir, je suppose, ça commence. Et là, on a... Par contre, on a sauvegardé il n'y a pas longtemps. C'est pas exagéré. On sait où il y a un point de sauvegarde. Oui, il est niveau combien? Il est niveau 56, de ouf! Son niveau combien? 48. Pardon, il est niveau 56. Donc les invités, ils sont au niveau de ton level max. C'est très bien. D'accord, donc on a deux choix. Donc on est ici, on va prendre un choix là. J'allais par là, alors je sais qu'il n'y a rien, mais il y a peut-être un coffre ou quelque chose. Voilà. Alors, après, si c'est pour une super potion. D'accord. Bon, c'est déjà ça, je veux dire, c'est des super potions.
Ah yes. C'est pour ça qu'il faut aller partout, regarder partout, parce que maintenant on a la carte. Et ça c'est bon. Et ça c'est très très bon, parce que maintenant on voit absolument tout. C'est parti là. Mais c'est parce qu'il utilise mes décotations végétales. Putain. Ouais, enfin, j'ai pas le choix, mais... Alors, par contre, ça, je désactive. Ça, je désactive aussi. Le reste, je peux les limite casser. Je vais désactiver, quand même. Ouais, je vais le laisser. J'en ai combien? J'en ai 13. Le truc c'est que bon, il faut qu'on se fasse soigner le virus, c'est clair. Une paire de choses. Éclat de son. Attends, parce que... J'aurais pu venir de là, je vais juste... Voilà, tu vois, il y a un coffre. D'accord. Et maintenant, elle peut pas guérir stop. Mais normalement, stop. Normalement ça vient tout seul. Ah bah voilà, tu vois. C'est assez rapide quand même, j'aurais pu attendre le bash aussi. Voilà. Une maxi potion. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao !